Oriental poison. Wassalam alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous et que votre mufa se porte bien. Quoi? Si votre mufa se porte bien, eh bien tant mieux, l'intro comme à l'époque. Non bref, vraiment j'espère que ça va bien pour vous et que ça se passe aussi pour vos proches, inchallah, d'accord? Bon la famille, aujourd'hui, nouvelle vidéo. Juste avant que cette vidéo commence, n'oubliez pas le petit like. Lia, est-ce que je peux t'emprunter la caméra avant qu'on rentre dans le vif du sujet? S'il y en a qui s'emmerdent pendant le confinement, parce que je sais qu'il y en a qui s'emmerdent, hein, parce que je sais qu'il y en a qui s'emmerdent, eh ben tous les soirs, pendant 10 heures, je stream, et en ce moment, on fait combien de spectateurs? Dis-leur la vérité. On fait combien de spectateurs sur Mixer? Bah, je te le demande. Eh ben, on fait entre 50 000 et 70 000 spectateurs par jour. Est-ce que tu vois beaucoup de gens, toi? Ils font entre 50 000 et 70 000. Non, dis pas Nala. Bisous. Dis pas Nala aussi. Ouais. C'est gentil, ça. Ouais, bref. Bref, la famille. Là, on est en train d'arriver. On n'a même pas encore lancé le live. On non, est déjà avant, bébé, 700. Bébé, s'il te plaît, avant oui. De commencer. D'accord, à parler, pardon. Fais le focus et après tu parles. D'accord, c'est bon. C'est pas grave, il n'y a pas de focus, pas besoin de focus. Regarde, 787, GameX13, ils sont là, ils me disent oh, Bibou, on t'attend, Bibou, on t'attend. Bah, vous allez fermer votre gueule et vous allez m'attendre. Je finis ma vidéo, c'est des fous. Bref, il y a 800 personnes qui m'attendent, je leur ai mis un peu de musique. Voilà, ils m'attendent. Donc voilà, venez, 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 venez. On est à peu près en moyenne 2 à 2500 par live. Et ça se passe comme ça pendant toute la soirée. Et alors. Et à la fin, franchement, pendant les 10 heures de live, on a été entre 50 000 et 70 000. C'est juste la dinguerie. Alors rejoignez-nous. Le lien est en description. Si vous ratez à un moment donné, tant pis pour vous. Ah, tant pis, Roya. On va même faire des lives IRL. On va faire des lives vlog IRL. Donc vous ratez le live, bah, bah, tant pis. Bah, comment on dit chez les Arabes, bah, ça veut dire disparu. Bah, ça veut dire disparu. Ok. Voilà. Bref, on y va? On commence la vidéo. Allez. Voilà, bref. Mon fun en description aussi, parce qu'avec le putain de confinement, ça bide totalement la musique. On m'a dit, la musique, ça bide avec le confinement. J'ai dit, non, t'inquiète, ça va pas bider. On l'a sorti, on s'est pris un gros but dans la gueule. Bref, c'est parti, n'hésitez pas à aller voir mon fun aussi. Et du coup, on va rentrer dans le vif du sujet. Qu'est-ce que c'est que le vif du sujet, belle-sœur? Dis-nous un petit peu, explique-nous. Ben, c'est Nala et Doudou. Voilà. Nala, du coup, oui, il toi. Se présente. Ouais, regarde, elle me regarde comment elle me regarde. Mon bébé, je parle de toi, oui. Et Doudou, c'est le chien que t'as envie de découper en deux, là, des fois, de temps en temps. Alors, Doudou, en fait, c'est quoi comme race de chien, ton chien? C'est un beagle. C'est un beagle. C'est un chien de chasse. C'est un chien de chasse, voilà. Le chien de chasse n'a pas, on va dire, porté ses couilles quand Nala, elle avait quoi? Elle avait 6 mois, Nala. Ouais. Elle a retourné, je crois. Hein. Oui. Elle avait 6 mois, elle a retourné Doudou. Elle, la petite Afrita. Non, après, je pense qu'il s'est laissé faire aussi, elle était petite à l'époque. Oui. Mais voilà, c'est quand même deux beaux chiens. Nala reste quand même, je pense, un peu plus grande et un oui. peu plus grosse, un oui. peu plus costaud quand même. Et j'ai pas envie que ça parte en bagarre. Et le truc, vu que ma belle-sœur, elle a pas envie que ça parte en bagarre, parce qu'en fait, j'ai deux chiens qui sont complètement différents. En fait, j'ai Nala, elle a un instinct qui est tout à fait logique pour un chien, même pour un berger allemand, ou même des fois pour un... N'importe quel chien, vraiment. Un Yorkshire, même, parce que Mirza aussi, voilà, elle a l'instinct. Même un Yorkshire, même un chien basique, en fait, a cet instinct, c'est sa maison. Et donc, quand il y a un nouveau chien dans sa maison, elle a envie, entre guillemets, que le chien, entre guillemets, hein, entre eux, respecte les règles, qu'il se soumet. Sauf que lui, c'est un chien un peu con. Oui. Il va pas trop se soumettre. Et il est très agressif avec les chiens. Comme elle m'a dit la belle-sœur, il s'est fait mordre, en fait. Il s'est fait mordre deux fois. Et en fait, depuis qu'il s'est fait mordre deux fois, bah, la pauvre bête, elle est maintenant elle a un peu peur. Donc, il est un peu con avec les chiens. D'accord? Le truc, c'est que s'il est con avec Nala, ça peut partir très loin. Parce que, je sais pas... Si vous avez déjà eu un American Staff qui s'est battu à la maison, mais pour faire lâcher un American Staff, oui. c'est une sacrée misère. Or là déjà, pour la faire lâcher, elle avait 6 mois qu'elle s'est battue avec Nala. Pour les faire lâcher, j'ai perdu un genou qui a gonflé comme ça, parce que j'ai pris un croc. Et quand je dis un croc, ça n'a même pas fermé, hein. J'ai juste pris une chico, ça m'a fait gonfler le genou comme ça. Et pour séparer des American Staff, Zantar, avec ses coups de pied et ses patates, il n'a pas suffi. Hein. Mais moi aussi, hein, je lui mettais des coups de pied. Hein. Pour faire lâcher. Hein. Pour faire lâcher un chien à un autre, déjà, ça sert à rien que tu mettes la main dans la gueule. Et les patates et les coups. Alors là, je peux vous jurer que j'ai eu les mains rouges. Et j'ai jamais baffé comme ça un chien pour faire lâcher un autre. Alors, vraiment, s'il y a une bagarre que j'ai pas envie de voir, c'est bien celle de l'American Staff. Pour faire lâcher, c'est vraiment la merde. Surtout, ma belle-sœur, son beagle, il a des oreilles. Ils sont longues comme ça. Ça veut dire pour les deux, là, c'est un vrai régal. Ils vont ses prendre oreilles, une oreille de chacun. Ses ouais. oreilles, c'est des steaks. Voilà, c'est des steaks. Ils vont faire un plaid. Ils vont l'étrangler avec ses oreilles. Bref, du coup, ouais, au niveau d'Orla, en fait, c'est assez compliqué aussi. Parce que Orla, c'est le genre de chien, en fait, elle va être méchant. Enfin, elle va être gentille avec ouais. Doudou. Mais il lui tape. Ça va être comme Nala, il lui tape un grognement. Et ça part en cacahuète. Ouais. Et ça part en cacahuète. Et Orla,
c'est plus de 30 kilos par contre. Et c'est une sacrée bête. Mmh. Bon, avec sa soeur, elle se fait retourner par sa soeur. Parce que Nala, elle sait comment faire. Elle va chercher les papates en bas. Hop, elle la retourne. Elle attrape avec ses pattes. Elle la retourne comme ça. Donc elle fait tomber hors là. Après, elle attrape ici à la gorge. Bon, elle joue entre eux. Hein. Elle se mord pas. Donc tu vois, sa soeur, un petit peu. Mais elle sait comment. Elle, elle sait, c'est une salope. Elle, c'est une saloperie. Elle sait comment aller chercher les pattes, comment retourner et tout. Et l'autre, c'est plutôt l'autre. Orla, c'est une feignasse. Elle va chercher la facilité. Les oreilles. Les oreilles. Avec Doudou. Avec Doudou, les oreilles. Il n'y a que ça, frérot. Il n'y a que ça. Et donc, vraiment, j'ai pas envie que ça se termine en violente bagarre dans la maison. Donc, on fait. On s'organise. Voilà, on s'organise. Pourquoi on ne les fait pas se croiser. On parle de ça, du coup, pour la belle-sœur. Parce que tu en as parlé tout à l'heure en vidéo. Si tu veux leur expliquer un peu tout à l'heure, la vidéo de tout à l'heure. Du coup, qu'est-ce que tu as dit dans la vidéo de tout à l'heure? Ouais, non, c'est parce qu'en fait, Doudou, voilà, comme il a dit à Abdel, il s'est déjà fait attaquer. Il s'est fait attaquer par deux chiens et depuis, bah, je pense, ça l'a traumatisé, comme il m'a dit le vétérinaire. Voilà. Il s'est fait attaquer une fois, c'est fini pour lui. C'est comme nous, on va se manger une pêche, on va pas tendre l'autre jour, voilà. On va prendre une autre. Voilà. Et ça, les chiens, c'est pareil. Au bout d'un moment, on va être violent. Quoi. Donc du coup, eh bien, comme Nala, c'est chez elle, elle veut marquer son territoire, on le voit de toute façon qu'ils peuvent pas se voir. Ouais. Ils se sentent à travers la porte, ça se grogne dessus. Regarde, hier, ils se sont juste vus à travers la baie vitrée. Elle a pété les plombs, Nala. Ouais. Denver, exactement la même chose. Ils avaient tous les deux une crête comme ça. Ouais. Face à face, ils se dégomment. Donc, on prend pas de risque, on jongle. Quand les vôtres sont dans la maison, le mien il est dehors. Et quand le mien est dans la maison, les vôtres sont dehors, on prend pas de risque. Parce que je sais très bien qu'avec les deux vôtres, le mien il va ramasser, on va pas se mentir. Mais autant ce sera lui qui cherchera. Oui. Tu peux pas savoir, autant c'est lui qui va chercher. Mmh. Il va se faire retourner. Et pendant le confinement, honnêtement, on n'a pas que ça à faire d'un au vétérinaire quoi. Non, c'est vraiment pas le moment en plus. C'est vraiment pas le moment d'un au vétérinaire, oui. On peut dire comment Mirza marque son territoire ou pas? Ah oui, oui. Non mais écoutez ce que fait Mirza maintenant. Elle fait réellement le loup. Elle fait... Ah oui. Elle fait vraiment ça. Et c'est incroyable. Mais tu sais qu'elle fait le geste de la tête et tout. Hein. Ouais, elle fait la... Alors sur internet en fait, c'est sa façon de marquer son territoire. Pousse-toi. T'es Yorkshire, tu veux quoi? Non mais j'ai regardé sur internet, je me suis dit je comprends pas pourquoi. Et en fait c'est parce que elle marque son territoire, c'est comme là. Un loup. Tu te prends pour un loup. Parce que je dis ça parce que la famille avec Zanta récemment, on a vu une vidéo sur YouTube qui était superbe. Je me moque de Mirza en termes de loup parce que belle sœur, est-ce que tu as déjà vu réellement un vrai loup sauvage? Ah non. Eh ben, je vais te montrer. Waouh. C'est ça la taille d'un loup sauvage. Bah non, tu peux plus, je pense. C'est ça la taille d'un loup sauvage. S'il se lève, il fait plus d'1m80. Ah ouais, quand même. Donc, c'est deux fois mes American Staff, trois fois mes American Staff. Et juste sa patte. La patte d'un loup, c'est ma main. C'est ça. C'est ma main. Deux mains. C'est mes deux mains comme ça. Et tu sais pourquoi elle a eu ça? Parce qu'on avait fait des vidéos russes. Parce que vous savez qu'en Russie, leurs trucs, les voitures sont pas assurées. Donc, ils sont obligés de mettre des GoPros. Ouais. C'est pour ça qu'à chaque fois, tu vois des vidéos russes. Des trucs de fou parce qu'ils sont obligés de mettre des GoPros devant pour assurer leur véhicule. Ouais. Et en fait, il y avait plein de vidéos, il y avait des meutes de loups qui passaient. Au bout d'un moment, t'as un flic, il est en train de mettre une contravention. Et puis, t'as le flic qui l'appelle au talkie, il lui dit en gros, il doit dire de rentrer. Il arrive, il regarde comme ça, il y a une meute de loups qui arrive. Il commence à gueuler, il commence à ouvrir la porte du gars à qui il est en train de mettre une amende. Il commence à rentrer dans la voiture et tout. Il ferme la fenêtre. Et tu vois les loups qui passent comme ça en plein milieu de l'autoroute. Mais genre, vraiment des monstres. Toi qui me foutais de la gueule de Mirza. Bref, voilà. Mais waouh, c'était un truc de fou, j'ai vu des vrais loups. Hein. C'est des vrais loups. Hein. Waouh, ça m'avait choqué, j'étais sur le cul. Et la main est passée devant, et la main, il est arrêté le gars. Il est arrêté comme ça, il est en warning. Imagine, tu sors de ta voiture et tout. Il est en warning, et puis d'un coup, je te jure, t'as un truc avec des yeux rouges dans le. Mais t'as l'impression que c'est vraiment un livre, tu sais. Il y a la GoPro, et tu vois un truc avec les yeux rouges, et il arrive comme ça, mais vraiment comme ça. Au ralenti. Et il arrive comme ça au ralenti, et puis il regarde comme ça vers la voiture avec ses yeux rouges. Il était noir, il était énorme. Et tu te dis, mais heureusement, le mec. T'sais, il s'est pas arrêté pour, par exemple, des fois comme moi, regonfler son pneu. Mais t'es mort. T'es mort, frère. Bref, en tout cas, voilà, pour revenir aux chiens. On les mettra jamais ensemble. Voilà, on les mettra jamais ensemble parce que c'est la marde. Les jours où ils seront ensemble, bah... De toute façon, Doudou et Nala, ils se connaissent depuis longtemps, ils ne se sont jamais blairés. Ouais. Jamais, c'est jamais passé. Et pourtant, Nala était petite à l'époque où ils se sont connus. Oui, mais ils ne pouvaient pas se voir. Regarde, ne serait-ce qu'à travers la baie vitrée de votre maison que vous aviez avant. Ils avaient envie de se démonter. Et avant, surtout, elle rentrait, souviens-toi, par la fenêtre de la chambre qui donnait sur la terrasse pour pouvoir rentrer dans la maison. Ouais. Avant, j'avais peur pour elle parce qu'elle était petite. Hein. Avant, j'avais peur pour elle parce qu'elle était petite hein, quand Doudou. Mais elle le retourne quand même, petite ou pas, elle aurait retourné Denver. Mais là, elle avait 6 mois à cette époque, j'avais un peu peur pour elle. Là, elle a 2 ans et demi. Là, elle a 2 ans et demi. De toute façon, j'ai un peu plus peur pour Doudou.
Oui, moi j'ai plus. Oui, il va ramasser, on va pas sentir. Il va ramasser, même avec l'autre grosse, il va ramasser là-bas. Mais oui, non, mais après on a bien trouvé l'organisation. Voilà, ah, ça voilà, se passe très bien. On évite, ouais. Par contre, on évite aussi Mirza parce que c'est elle qui va ramasser avec lui, par contre. Oui. Voilà, faut pas oui, parce que si elle fait comme elle va être grincheuse et elle va se prendre un coup de croc par un. Eh, c'est un chien de chasse quand même, c'est pas un caniche. Hein. Non, ça passait avant avec Mirza et Chirol. Ouais. Elle fait aouh. C'est ça, tu crois? Mais souviens-toi, ils s'entendaient bien, et Chirol, Mirza, oui, ils s'entendaient bien. Et depuis qu'il s'est fait attaquer, ça passera pas. Ouais. Et même avec Nala, on pouvait quand même lui laisser. Bon, des fois, il y avait des petits. Ça partait en cacahuète, des fois, un petit peu pendant quelques secondes. Ça partait en hurlement et tout, mais ça va, ça passait quand même. Mais là. Ouais, c'est non, on prend pas de risque, on est intelligent. Voilà, on voit que nos animaux se battent, et voilà. On sépare les animaux parce que. C'est pas pour autant qu'ils sont malheureux. Hein. En fait, ouais, non, ils sont pas malheureux, on a rien à foutre. Bah oui, ils s'en fichent. Voilà. Donc, on a un chien d'un côté qui a envie de protéger son territoire, donc sa maison, forcément. Elle vit là depuis plus d'un an, donc c'est sa maison, et ses odeurs, et les odeurs de sa sœur. Donc, elle protège son territoire, ce qui est logique. Le petit loup. On a le petit loup. Mon petit loup. Mon petit loup. Ah, petit loup. Bon, on a un petit loup qui protège son territoire aussi. Donc, on a des chiens qui protègent leur territoire. Et de l'autre côté, on a un chien qui est assez. Il est plus très sociable. Ouais, voilà, il est plus trop sociable parce qu'il s'est fait mordre deux fois. Donc, voilà, c'est assez compliqué de mettre des chiens comme ça. Même si j'étais maître chien, ça serait un suicide. C'est très dur. J'ai demandé. C'est très dur. Je vais faire vite, mais j'ai demandé à mon vétérinaire. La race de Denver, c'est très dur. C'est soit ça va se remettre de suite, soit ça ne se remettra jamais. Et j'en avais parlé, il m'a dit là, ça fait trop longtemps que ça s'est passé, ça fait deux ans, pratiquement deux ans. Il m'a dit ça ne se remettra jamais. Ah ouais, il sera toujours comme ça, malheureusement, il sera toujours comme ça sur la défensive et tout. Après, comme je dis, tant qu'il est gentil avec nous. Même, ouais, t'as vu, avec nous, il est adorable. Avec nous, je l'attrape par le cul, je le retourne, je joue avec lui. Et, en fait, il est pas con avec moi, Zantar, la famille et tout. Par contre, quand même, même la belle-sœur quand on sort dans la rue, il est très méfiant au niveau des hommes. Il n'y a personne qui peut s'approcher de la belle-sœur. Ah non. Voilà, bref. En tout cas, on se laisse sur ça avec le loup. Tu nous sors un petit. Bon, bref, la famille, prenez soin de vous et d'amis fans, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le live là. Grosse soirée RP ce soir. Je suis policier, comme vous le savez, je m'appelle l'agent 38. Et ce soir, je vais commencer à former les nouveaux dans la police. Donc rejoignez-moi, c'est super cool. C'est super marrant, on a des histoires de ouf. Alors, je peux venir. Et c'est vraiment pas de l'RP à deux balles, hein. C'est vraiment du bon RP, j'allais dire du bon HRP. Du bon RP. Il n'y a pas d'HRP, je suis pas en mode flic, je tue des gens comme je veux. Non, c'est vraiment bien foutu, c'est vraiment carré comme l'ordre de l'âge. Je peux venir être flic. Hein? Je peux venir être flic. Inch'Allah. J'arrive. Je vais te former. Bref, n'oubliez pas le petit like, le petit abonnement et le petit partage. À très très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao tout le monde, j'espère que cette petite vidéo blabla vous a plu. Tchuss. Ciao. Jamie.